première affaire qu'on voit un matin en se levant, la flamme olympique qui vient de passer. Salut Simon! Fait que ça commence bien, ça veut dire que les Olympiques approchent. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu notre hôtel où on reste. On est sur Capilano Road, près de North Vancouver. Alors, voici notre hôtel et notre auto. Ouais, il y avait pas mal moins de monde hier à l'accréditation. Je pense que ça va être un petit peu plus long ce matin. Il va falloir qu'on semble de patience. Je pense qu'il y en a pour quelques heures. Hier, il y avait vraiment pas personne. Ça aurait été le fun que ça fonctionne hier. J'espère que je ne ferai pas toute cette file d'attente-là pour absolument rien ce matin. Je pense qu'ils m'attendent au site de saut pour commencer la construction des sauts. Je vais voir, il y a plus de monde ce matin, mais ça va quand même assez vite. J'espère juste que le grand monsieur là-bas, là, la GRC qui m'a dit hier de revenir, là, j'espère qu'ils ont fait sa job et qu'il y a même une accréditation est prête. Les amis de Girona, ah, aussi l'entrepôt. Des vêtements. Bon, ben ça a quand même bien été. Ça a pris à peu près 45 minutes à tout avoir. Mon accréditation, comme vous pouvez voir, j'ai mon accréditation ici, finalement, en tant qu'homme aussi, c'est toujours bien. Et puis, j'ai eu mon linge. Au début, encore une fois, il n'y avait plus grand-chose comme linge, alors ils voulaient me donner du large de femme, mais ça ne finissait pas. Alors, j'ai pris du large d'homme, c'est un petit peu grand, mais au moins, ça va être bon pour travailler. Puis, fait que là, c'est ça, je suis sorti, je vais aller préparer pour aller travailler. Puis je suis en bas ici, puis il pleut déjà, alors ça risque d'être beau en haut, mais j'ai entendu dire qu'il faisait un peu plus froid, puis annonçait de la neige à Cypress. C'est fou, là. Il y a zéro de neige dans les pistes de ski. On vient de passer deux camions qui amènent de la neige. Avant hier, ils ont essayé de monter de la neige avec un hélicoptère, puis ils ont tout arraché les clôtures de la piste de bosse, fait que je pense qu'ils vont oublier cette idée-là, et ils vont arrêter la petite neige en hélicoptère. Fait que là, on arrive à un autre checkpoint. Je pense qu'ils vont nous diriger vers notre parking. Je pense qu'il faut aller au P5. Puis après ça, ils nous amènent en château jusque à l'entrée sécurisée. Hello! P5? Avec nos lunettes, je sais pas. On a bien été. Il n'y a pas eu grande sécurité. Ils ont scanné notre carte. Puis ils n'ont pas vraiment regardé dans nos sacs. Alors jusqu'à présent, ça a quand même bien passé. Donc, on va aller. Bon, nous voilà sur le site de saut au Cypress Mountain. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas encore beaucoup d'animation sur le site. C'est assez tranquille aujourd'hui. On a fait le tour on a été dîner au Workforce Lounge. On a mangé un petit sandwich avec une soupe. Là maintenant, on vient de commencer. Là, on espère faire le soit trip aujourd'hui. Vous pouvez voir, il neige un petit peu. Fait que ça devrait être un petit peu mieux que la pluie. Fait que on vous montre des nouvelles tantôt, là, mais qu'on monte le soit trip. On est le 10 février. On est arrivé ce matin très tôt après 8 barrages de sécurité. C'était assez spécial, mais en fin de compte, j'ai réussi à passer une pelle pour revenir au site de saut. Après quelques heures de travail, ça avance tranquillement. Il faut prendre ça relax, mais ça va quand même assez bien. On voit ici la machine n'a pas bougé depuis quelques heures, mais devrait bouger dans quelques minutes. Et dans le fond, c'est que c'est un peu des genres de vacances, travailler, relax, pas de stress dans ta vie, mais en fin de compte, on a tout un cellulaire, on a tout plein d'affaires avec nous autres. Fait que je suis allé voir le site de Boss ce matin, vous avez le site de Boss ici. Si vous tournez vers votre droite, qui est vraiment en bonne shape.
Vous aviez des hélicoptères ce matin qui s'occupaient d'amener de la neige. Mais on est prêts, nous autres. Écoutez, il va rester rien qu'à ce que les lumières allument et que le show commence jour 1. On vous revient. Quand ça pogne, ça fait un jam dans le milieu jusqu'à la courbe. Puis là, depuis quand elle est poussée dans la stage courbe. OK. Ça vient dans des courbes de même. Ça, on se colle pas à l'angle dessus, ça? Non, faut peut-être les bons viandes aussi. Si t'as les gants mouillés, là, ça... Ça colle? Juste les gants de là. Je reste bien qu'on va... C'est exposé. Fais comme 3-4 bouts. 3-4 bouts, puis tu pousses. Ah, ça, j'en appelle. C'est quand même une mission à remplir à chaque jour. Ça dure à peu près 18 heures, la glace. Quand t'arrives le matin, c'est tout évaporé. C'est comme un frima sur ton saut en plus. Quand tu shakes, il y a un petit frima blanc. Même s'il fait 5 degrés, là, il y a un frima sur le saut. Parfait! Aujourd'hui, ça a été assez tranquille comme journée. Il a neigé toute la journée. On pensait de faire le saut à trip, mais finalement, tout run, disons, un peu au ralenti. Fait que ça nous a donné une journée à quasiment rien faire, à tourner en rond, bretter, faire un petit café par-ci, on a jasé avec du monde par-là. Fait que j'espère que l'action va commencer bientôt parce que je trouve que ça bouge pas beaucoup. Fait que là, comme vous pouvez voir en arrière de moi, les formes du saut à trip sont montées. Alors demain, on devrait souffler la neige à l'intérieur. Et puis, ben c'est ça, au moins une autre motifile, on va pouvoir commencer à faire notre travail parce que jusqu'à date, pas fait grand chose.